petite fourmi, jolie, jolie, gentille. Un petit insecte, vraiment, vraiment pas bête. Un petit animal qui a toujours le moral. Ferdi, Ferdi. Une petite bête qui ne fait jamais la tête. Une petite tête qui est toujours à la fête. Un gentil copain qui vous prendra la main. Ferdi, Ferdi. Dans son monde magique, on s'en va en musique. Dans son joli pays, le pays de Ferdi. Avec ses amis, il s'en va dans la vie, rempli de bonheur, toujours de bonne humeur. Alors venez vite, vite, puisqu'il vous invite. Ferdi, Ferdi, notre ami. La nuit a mis sa robe du soir et son grand manteau étoilé. Avec elle s'apaisent les désespoirs pour laisser place aux rêves les plus fous, les plus optimistes. C'est vrai, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien la nuit, moi. J'aime bien me glisser dans mon lit et dormir bien profondément en rêvant que j'accomplis les exploits les plus prodigieux ou que je mange des ribambelles de baba ou de tarte à la crème. Je suis sûr que je m'en pourlèche les babines tout en dormant. Au fait, j'aime tellement mon lit que dans mon sommeil, j'arrive à rêver que je suis dans mon lit. Et je l'apprécie encore davantage. Je suis certain que vous êtes plus d'un ou plus d'une, pardon les filles, à faire les mêmes rêves que moi. Der Rocker ist kein Stubenhocker und er hat ne heiße Rockerfrau. Wir stehen auf heißen Öfen, doch leider fehlt uns der Kies. Wir tragen Jeans und Leder und finden Kriege echt mies. Wer nicht auf Elvis steht, weiß nicht worum es geht. Der braucht von uns eine Lektion. Sowas über Haley bringt ein Schlagertyp nie. Der hat keinen Rock'n'Roll im Blut. Rockin', rollin', let's have a party tonight. Isn't the rockin' roller, we are the kids of the night. La tranquillité règne à quelques pas d'ici. Elle est figée dans une immobilité qui ne se réveillera qu'avec le jour. Le soleil ne pointe pas encore son disque d'or à l'horizon et n'a pas encore mis fin au concert des ronflements de nos amis de la forêt. Des silhouettes se glissent dans l'obscurité, indéfinissables, indétectables. La lune se fait leur complice en ne les baignant que d'un voile opaque. Faut pas traîner ici.
Arrêtez, qu'on voit étayer tout. Il descend toujours comme ça ou il prépare un numéro de cire? Non, mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu sais pas à qui tu parles, espèce de gros pudding gélatineux. Répète un peu. Si tu oses refaire un truc comme ça, je te fais démolir ta maison. Ma maison? Parfaitement ta maison. Non, mais t'as vu ma bosse? Ça fait mal. Oh, ça fait mal. Tu vas quand même pas réveiller ce pauvre Ferdinand. Non. Disons, c'est à toi que je vois ça, espèce de sac de bave. Pourquoi tu me dis des choses pareilles? Tiens, prends cette pelle, pauvre gros vicieux, allez bien. Allez, encore une. Arrête ton numéro, il met la marche arrière. Pas de problème, chef. Les escargots ne tirent pas aussi vite, le compte à rebours n'est pas commencé. Il peut commencer, tout est en ordre. Oui, alors on peut démarrer. Ça va, tout est super prêt. Oui, oui, on ne peut pas être plus prêt. Vérifions encore les instruments. Tu n'aurais pas oublié quelqu'un par hasard? Ma fille, je comprends pas, vous vous avez rien, et voilà depuis l'autre imbécile heureux, là. Comme quoi, finalement, on ne peut pas penser à tout. Ah, il va faire jour, maintenant. Ben, 17, 19, 18, 15, 16, 14, 15 et 8, 14, 3 quarts, 14, 1 quart, 13, 1 tiers, 13 et demi, 13, 1 quart, 10, 6, bien, après 13, 1 quart, en fait, là, j'ai plus maintenant. 15, 14, 13 et 9, à Paris 17. Ah, mais j'ai... Allez, 12, 7, 3, 1, allumage du moteur. 0, décollage immédiat. Un départ absolument parfait, bravo! Thank you.
Mais on peut plus dormir tranquille ici alors. Gwendoline, tu ne peux pas savoir ce que je ressens au fond de mon cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Balourd, secoue-toi un peu. Tu sais qui a mis le grappin sur notre maison? Aucune idée. T'as demandé à des ouvriers de venir ou quoi? Est-ce qu'une maison peut disparaître comme ça? Mais c'est incroyable, ça. Elle n'a pas pu disparaître toute seule, voyons. Regarde ça, Balourd. Mais c'est pas possible. Ils ont emporté les maisons. On va quand même pas les laisser faire. Ils vont tout ranger, Annie, ils vont ranger. Il faut qu'il pleuve. Balourd, je l'ai. Et c'est ça? Elle est là. Et là, quoi? Oh, elle traînait là sous le lit. En général, elle est plutôt dessus. Dans un moment pareil, il pense encore à elle. C'est terrible, ça. Mais qu'est-ce que tu peux savoir de l'amour, toi? T'es aussi romantique qu'une boule de ferraille. Dépêche-toi un peu. Un petit peu si je ne peux, mais il y a un canard. Rien de canard. Discute pas. Viens voir ce que j'ai trouvé pour tout ranger. Je crois que ça va être parfait. J'arrive. Je vais chercher le canard. Allez. Mais qu'est-ce que t'attends? Tu mets tout ça dans la malle et puis on n'en parle plus. Oui. Voilà. Allez. D'accord. Et maintenant, on peut continuer les recherches, l'esprit tranquille. Cette histoire, qui est-ce qui a osé mettre de l'eau dans la maison, hein? Et qu'est-ce que je fais comme ça? Qui peut me dire ce qui se passe, hein? J'exige des explications. Je suis le chien de garde de cette maison. Et puis, voilà, ça a tout compris maintenant. Bravo, t'es content là, t'es encore plus bête que mon beau-frère qui est dans la police. Et pourtant, lui, il est pas malin. Maintenant, toute l'affaire est dans le sac. Allez, viens. Faut avancer, quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais nous n'avons qu'à laisser la maison ici. Moi, je trouve ce coin très chouette, non? Voilà ce que je pense de ton idée, ouais. Tout le monde connaît la maison de Ferdi dans le secteur. Allez, viens, allez, on continue. D'accord, mais moi, je veux un contrepoids. C'est moi qui porte tout. Et le chemin est de plus en plus difficile. Bien oui. T'inquiète pas. Je peux pas te laisser t'écrouler bêtement. Je te fournirai toute l'aide que tu peux vouloir. Mais seulement si tu avances. Allez, en route. Merci. Allons-y. Ouh. On serait grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? T'as une idée, toi? Tu m'as dit que dans tes films, les Indiens s'enfuyaient par le fleuve pour ne pas laisser de traces. Faisons la même chose. Ah oui, j'ai dit ça, mais enfin, c'est une possibilité. Pourquoi pas? On peut pas en être certain, mais enfin, je me souviens d'un cas où une maison avait été volée et puis mise en vente. Et ben, si on achetait un journal, on va peut-être découvrir que quelqu'un a déjà passé une annonce. Ah, je sais pas. On tombera le journal chez le Bourdon, alors. Ah, oui, c'est le Bourdon. C'est le moment. Secouez-vous, on n'a pas le temps de rêvasser, nous. Allez. Mais vous êtes devenu fou, ce que vous faites là? Oh non, c'est pas ça. Mais surtout, dites-le si je vous dérange. Mais... Tiens. Excusez-nous, mais... Des voyous nous ont volé notre maison, alors on espérait trouver une annonce dans votre journal. Vous? Qui est merveilleux, ça? Vous êtes vraiment incroyable. Ah. N'importe quoi pour vous faire rire, vous, hein? Et vous espérez la trouver? Non, soyez sympa, laissez-nous regarder, s'il vous plaît. Vous voulez que je vous montre comment je grimpe tout en haut? Quand j'ai vu un petit bout de monde. Non, pas maintenant. Sans façon. Non, mais on veut simplement lire votre journal. Hop, regardez celui-là. Oh non! Le poirier. Ah, regardez, je grimpe pas avec les pieds. Ah, quand j'ai vu un petit goût, regardez donc. J'adore là. Les cabines. C'était bien, hein? C'était prodigieux, mais vous devriez descendre maintenant. Ah, un petit coup pour descendre, parce que j'ai le vertige, moi. Le sucre, c'est une petite larme de miel, comme ça, là. Puis on se sent merveilleusement bien. Oui, vous peut-être, d'accord, mais enfin, Balou, on ne le supporte pas aussi bien. Il ne sait plus où il est, lui. Dis donc, fais-moi un petit coup. J'ai vu qu'il a passé sur le ventre. Il a peu de chance de retrouver ses esprits, tu sais. Enfin. Dis donc, t'as la bosse du travail, toi. Bon, la trompette est un peu cabossée, mais elle marche encore, regarde. Aïe, 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 oh là. Pas mal du tout, hein. Arrête ça, Balou, je t'en prie, hein. Je vois pas de flamme, chef. Et vous?
Ça doit pourtant bien brûler quelque part, hein, ça doit... Ah ben oui, il faut quand même faire quelque chose de... Ah. Oh, hé, par ici. Ouais, chef. Attention. Avec les pompons, oh. Filons d'ici. Qu'est-ce que tu t'en penses? Ça n'a pas l'air mal ici. C'est un club privé ou quoi? On pourrait peut-être se rendre utile en cuisine. T'as pas assez de classe pour vider les cendriers dans un endroit pareil, toi, tu verrais cuisine en plus. Tiens, ça me rappelle un film. Non, mais merci, j'ai pas envie de le connaître. Allez, viens, on continue. Hein. Oula. Dommage, hein, c'était un très bon film. Hein. Mais où est passée cette balle? Oh, ben alors, mais... Oh! Tiens, j'ai une bosse de plus. Mais on n'a pas fini de les compter, tes bosses. Allez, amène-toi. Nos amis ont été quelque peu secoués dans cet épisode, je vous l'accorde. Mais on peut leur faire confiance. Je suis certain qu'ils vont finir par se sortir de ce guépier. Vous voulez le savoir? Eh bien, venez donc les retrouver dans leurs prochaines aventures. Au revoir. Petite fourmi, jolie, jolie, gentille. Un petit insecte, vraiment, vraiment pas bête. Un petit animal qui a toujours le moral. Ferdi, Ferdi. Une petite bête qui ne fait jamais la tête. Une petite tête qui est toujours à la fête. Un gentil copain qui vous prendra la main. Ferdi, Ferdi. Dans son monde meurtre.